its wake, there will follow a storm. Hello tout le monde, c'est Arso. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va jouer à EVE Online. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va plutôt pas mal. Je suis complètement dans le rush. C'est un truc de ouf. Je pars en week-end demain. Voilà. Je suis super content. Du coup, je me fais encore un petit épisode avant de partir. Normalement, le week-end est couvert. Ça, c'est un épisode pour lundi, je crois. Il me semble, je sais plus, franchement je ne sais plus. En tout cas vous avez pu recevoir du DayZ Weekend. J'espère que vous avez kiffé, c'était assez rigolo. On a fait pas mal de PVP, c'était vraiment très drôle. Enfin c'était vraiment très drôle. Non parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, enfin peu importe. Regardez les épisodes, c'est assez drôle. Quand même c'est un peu marrant. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes à GY5. Donc bien entendu à Decline. Ou Declin, ou ce que tu veux. Enfin tu l'appelles comme t'as envie. En tout cas on est chez Goon Fédération. On est toujours chez Ice bien entendu. En ce moment c'est la merde. Alors je sais pas si c'est la merde ou pas. En tout cas on a des vulnérabilités là. Je sais pas trop ce que c'est. Toujours est-il, je pense qu'il y a peut-être une zone qui peut être capturée. C'est peut-être un petit peu la merde. Enfin peu importe. En tout cas nous on se retrouve avec notre Gila. Avant qu'on passe à quoi que ce soit, je voulais faire un petit tour rapidement sur le journal les amis. Souvenez-vous, le journal, on pouvait voir les agents et les RP qui me ramenaient ou qui me ramènent. Voilà, c'est massif ce qu'on a là. C'est énormissime. Je vous rappelle qu'on échange des data cores contre ça. Il y en a quelques-uns quand même pour le coup là. Mais bon, ça se passe très très loin d'ici, en Empire quelque part perdu. Faudrait peut-être que je fasse un nouveau compte juste pour ça. Mais en attendant il nous faut du fric, parce qu'on a perdu, enfin on a perdu non, mais on a acheté pas mal de choses, entre autres ce superbe vaisseau magnifique pour faire notre PVE tranquillou. Voilà, j'ai dépensé pas loin de 600 millions. Donc ouais c'est plutôt massif. On va faire un tour au niveau des planètes les amis, parce que j'ai dû faire des petits changements. Voilà. En fait, sur toutes les planètes, on va miner 3 ressources à chaque fois. Parce que j'ai fait un mauvais calcul. J'étais bien sur 7 planètes. Malheureusement, on ne peut pas avoir 7 planètes. On peut en avoir que 6, espèce de gros con. Donc du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On loot et on mine 3 ressources par planète. Sauf la Barène, souvenez-vous, qui sera en fait ma planète de production. Voilà. Donc en quelque sorte, allons faire un petit tour et voyons voir ce que ça donne. On est sur la plasma. Et on a déjà pas mal de choses qui sont rentrées là. Et on a 1700 et j'ai fait un seul cycle. C'est ridicule. C'est un truc de dingue. On mine mais comme des sacs. C'est ça qui est génial. 20 000, 10 000. 3, 6, il y a des restes en plus. Enfin c'est juste énorme. Ce qu'on mine là c'est juste n'importe quoi. Alors bien sûr on va retrouver rapidement les deux premiers. Parce qu'en général ils sont à côté. Et le troisième après c'est un petit peu la fouille. Mais ça se trouve assez facilement tout de même. 21 000, regarde-moi ça. 3 têtes de minage, bam. Et on est parti. Alors là on mine quoi? Base metal, suspended plasma et noble metal. Voilà. Donc ici on a du précieux, du precious metal. On a quoi d'autre? C'est quoi ça? Du reactive metal, voilà. Et là on a du, comment ça s'appelle, plasma, je sais pas quoi là. Plasmoïde, voilà c'est ça. Ok, ça c'est pour la première planète. Passons à l'océanique qui est un petit peu plus loin, elle. Et d'ailleurs 43, la plasma ici est un petit peu plus loin. C'est un détail. Là on extrait rien du tout. Et on va extraire quoi? De l'aqueous liquide, de la flotte. On va faire donc de l'eau avec ça. 1300 unités déjà, putain c'est énorme. C'est trop stylé. Là on a quoi? De la protéine. Ok, vas-y, mine. Mine mon cochon. Alors ouais, vous avez vu, hein, la zone elle est complètement énorme. C'est juste trop stylé. Le 0-0 pour miner les planètes, c'est juste complètement trop énorme. Et on va ramener ça après en Empire, bien entendu, grâce à la logistique Ice, qui nous permettra de revendre tout ça en Empire et de se faire un max de thunes. Et c'est ça qui est trop cool. Voilà. Bien entendu, on va faire des modifications sur la planète Barène. On va faire un tour à la fin, hein. Voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous allez halluciner. En même temps, c'est un peu plus ou moins le même concept que ce que j'avais avant sur en Empire, hein, au final. Mais c'est plutôt sympa. Là, on a quoi? 2400 de bactéries déjà. Ça va. À l'aise blaise. Là on mine un peu moins par contre. Ouais. Bon c'est toujours encore intéressant. Sachant qu'on mine 3. On mine de tout en fait. On mine de tout par 1200. Par coup de 1200 unités. En un seul cycle, donc en 12 heures.
Ce qui est plutôt pas mal, hein. 1200 de la ressource une fois traitée, on est d'accord. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Allez, bim. Et de 1. Et de 2. Il le troisième. Là. Et de 3. Qu'est-ce qu'on a là? Oxidizing compound 1680, toi. Et bim, ça c'est fait. Alors allons faire un tour sur la barène du coup. C'est vrai que j'ai oublié. Ça ressemble à ça. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui est actif, hein, c'est normal, puisque j'ai encore rien ramené sur la planète. Mais en quelque sorte, ça c'est du tech 2 et ça c'est du tech 3. Je peux encore poser des choses, il me semble, parce qu'on n'est pas arrivé encore en... Comment dire? En rad, voilà, de power. De power usage, donc on peut se faire plaisir. On peut encore rajouter du truc, donc ça c'est plutôt pas mal. En quelque sorte, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire... une ressource ici à l'intérieur. D'ailleurs, ce que je vais faire aussi, c'est un link entre les deux là. Voilà, parfait. Excellent. Du coup, oui, je vais mettre une ressource ici, une ressource là, et ensuite, comment ça va se passer? Eh bien, on va transformer en fait cette ressource en tech 2 pour l'amener jusqu'ici, dans un truc bien vide. Donc on peut se permettre de remplir 10 000 de cargo d'une ressource T1 pour en faire ensuite du T2 dans ce spatioport là. Et ensuite tout renvoyer de nouveau à l'extérieur et vendre ça quelque part sur Jita ou peu importe. Sur Jita en fait principalement, puisque c'est là-bas le hub commercial. Où la logistique ramène tout le bordel. Voilà. Donc en quelque sorte, il va falloir trouver des items tech 2. Ouais. À savoir. Parce que je sais pas si je peux le voir. On va quand même jeter un coup d'œil. Si tu veux bien. Merci. Planétary infrastructure. Manufacture et reçu. Raw materials. Non. Planétary materials. Refine planetary materials. Est-ce que c'est du tech 2 ça? Alors ça c'est du T1, on est d'accord. Il n'y a pas grand chose d'ailleurs. Ça c'est du tech 3. Et ça doit donc être du tech 2. Voilà, donc du coup... Ah. Ok. Ils vendent par 9000. Intéressant. Il y en a qui l'achètent à 9008 à 16 jumps d'ici. C'est pas mal hein, 9008 la pièce. Et c'est pas mal hein. Franchement, c'est même plutôt pas mal. On devrait peut-être se spécialiser dans quelque chose. Mais bon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut tout miner. Donc à la limite, on est en manque de rien, quoi. Mais pareil pour le coolant, c'est les choses, les constructions blocs, tout ça, c'est les trucs qui sont nécessaires, en fait, faire tourner une poste, à faire tourner une base. Surtout l'enrichet d'uranium et je crois même la mechanical part. Et c'est pas mal, hein, on se fait vraiment, on peut vraiment se faire un peu de blé, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et là, on n'est pas en empire. Si on va faire un tour en empire, d'ailleurs, on peut aller jeter un petit coup d'œil très rapide avant de passer à la suite, on est d'accord, les amis, hein. On va quand même faire autre chose, on est bien d'accord avec ça. Mais, petit tour rapide par F central, on va chercher ce qui est en général le mieux, c'est-à-dire l'enrichi d'uranium. On va voir combien il l'achète, Agita. Alors le buying order, il a combien? Déjà, on va voir Agita rapidement. La première vente Agita, elle est à combien? Alors chez les Hamar, elle a 10 000 déjà. Ah ouais, ok, ça marche. Tranquille, mec. En tout cas, on est à 9 000, quoi. C'est très très bon. De Dixie, Hamar, Jita. J'ai vu un truc à Jita, là. Voilà. 10 900. C'est beaucoup, hein. Bon, il y en a 5 000 en vente, par contre. Mais c'est beaucoup, quand même. Et le premier achat est à 10 500. What the fuck? Assembly plant. Ok. Et ça, c'est pas mal, mon pote. Le gars, il l'achète directement à 10 000 balles. Intéressant. Si on arrive à ramener pas mal, là, 10 000 balles, ça fait beaucoup quand même. Très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Voilà, on a déjà une première idée de ce qu'on pourra faire plus tard par la suite. Bon, une fois que nos planètes, on aura vidé tout le bordel, une fois qu'on aura fait un peu le tri, etc., etc. On y reviendra en tout cas, c'est sûr et certain. Je vous ai montré également les RP, donc on peut partir. Je me suis demandé, est-ce qu'on va faire de l'explo ou est-ce qu'on va faire du PVE? Comme je ne peux pas poser la question, bien sûr, vous me répondez directement. Je me suis dit, on va peut-être pouvoir faire les deux. Malheureusement, moi, encore une fois, je suis un petit peu dans le rush et je sais pas si on va pouvoir torcher les deux aujourd'hui. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait faire une zone en PVE, pardon, voilà, une première zone en PVE. Et si ensuite le temps le permet, commencer un petit peu d'explo et voir s'il y a moyen de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. On ne sait jamais. Alors, est-ce que déjà il y a une cosmic signature? Non, il n'y a pas de cosmic signature dans le coin. On n'a que le combat qui traîne quelque part. Bon, très bien. On va où? On va sur le premier? Allez, on va sur le premier. Warp drive activated.
IQT. C'est d'ailleurs un des plus loin, au passage. Celui sur lequel je vais, c'est un détail. On va se mettre nos résistances parce que je pense qu'on en aura besoin. Remarquez, on va attendre un petit peu. On ne sait même pas à qui on a affaire pour l'instant. J'ai mes petits drones tranquillou. Ça, c'est bien. Et je voulais regarder. Ah ouais, avant qu'on y arrive, je voulais regarder dans les shortcuts s'il n'y avait pas moyen de faire une attaque automatique avec les drones. Combat. Tag item, lock target, approche. Look at, orbit. Ah, drone. Oh, drone engage, F. Ah, F, très bien, merci. On va voir, ça marche ça? Ah, bien, cool. Ça va me faciliter la vie cette histoire. Ouais, 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 on se détend, mon ami. On va se calmer, hein. Alors, attends, lequel est toi? C'est qui, toi? Ouais, toi, fonce. C'est sur lui que tu vas en premier. Parce que lui, il est en carton, vois-tu? Et pendant ce temps, on va se refaire la même technique que la dernière fois, c'est-à-dire se looter les caisses pendant qu'on fait du fight. Je vous rappelle également que, ben, hey, on se fait un max de blé hein, contre ces gens-là. Mes drones, ils sont relativement solides, on est vraiment peinards. Donc on se fait plaisir. Engage-le lui, fonce mon pote. Et c'est vraiment dommage qu'on peut pas sortir un troisième coup, parce que ça serait un carnage monumental. Mais monumental. Non bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Infrastructure hub. Alors je ne sais plus comment on fait pour warper sur quelque chose. S, ouais, ok. Doc, c'est quoi? Orbite. Warp usine. S. Non, je ne sais plus comment on fait pour warper. Enfin, je sais comment on fait pour warper, mais j'aimerais bien le raccourci en fait. Ah! Ah, c'est des docks, tout simplement. Ok, très bien. Donc D pour le dock et S pour le warp, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Ok, ok. C'est qui le jeu? Non, on va là-dessus. Laisse-moi le coffre ici, t'arrives. Craqué, mec! Complètement craqué! Il a défoncé mon coffre, le gars, il est fou, je te jure. Et lequel ils sont en train de défoncer là? Ah ouais, bah c'est pas le bon. C'est dommage. L'autre caisse, elle est où? Elle est là. Voilà, parfait. Donc on continue, on enchaîne, hein, on verra bien ce que ça donne. Voilà, ouais, voilà, regarde-le. Il se fait défoncer, le gars. C'est un tout petit truc à la con, il se fait défoncer la tête. On va accélérer un peu le mouvement, hein, quand même. Pas déconner. Faut pas déconner. Hop, parfait, vas-y, fonce. Oh là là, le nombre de dommages qu'il prend dans la tête, c'est un truc de fou. Ça fait tellement mal. Ces drones font énormément de dégâts. Surtout, bien sûr, on a encore une fois la résistance. On a tout ce qu'il faut en fait. On a la résistance qu'il faut contre ces gars et on a l'attaque qu'il faut contre ces gars. Du coup, on met un max de claques dans la face. Et c'est ça qui est génial. C'est juste ça qui est bien.
Voilà, c'est ça qui est cool. Cargo container? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, salut. Je vois même pas quand ils sont pleins et quand ils sont vides, c'est un truc de fou. Ok. Attends, on va faire celui-là d'abord. Ah ça y est, là je vois qu'il est bien plein, ouais d'accord, on est d'accord. Bon, le mec il est tout seul, on a plus besoin de mettre les résistances forcément. Là, le mec il met quoi? Il met 52 dommages. C'est quasiment rien du tout. Je suis sûr, je recharge encore plus vite que ce qu'il me met. Quand il arrive à me toucher aussi, parce qu'accessoirement. Bah, bien, tranquille. On se recharge, on fait le plein, on est bien, peinard. Tout se passe que vraiment bah, pour le mieux. Et on fait un peu de fric. Enfin, du moins, j'espère, parce que je n'ai même pas regardé combien il faisait, les petits bonhommes là. 280 000! Ah ouais! Ah ouais! Ça va? C'est bien? Non, c'est bien! Allez, là, au suivant de ces messieurs. Oh, putain, ils sont à côté de moi, les gars, quoi. Cassé hein. Ah il me tire dans les fesses, ça c'est ce qui fait le plus mal. Je pense, ou ouais, peut-être pas en fait. J'en sais pas rien. En tout cas je perds pas mal de vie, ça c'est un fait. Si mes drones pouvaient faire un petit peu plus vite en fait pour les défoncer, ce serait pas mal quoi, parce que je suis en train de prendre. Mais assez cher, remarque. Bon, on est à un tiers, mais disons, ça recharge assez vite. Mais voilà quoi. Alors j'ai vu qu'il y a un skill que je n'ai pas pris, ou même plusieurs skills que je n'ai pas pris, ce sont les skills de résistance bouclier. Ouais. Et résistance armure également. Bon, l'armure c'est pas nécessaire puisque maintenant on va rester là-dedans pour farmer. Donc je vais plutôt partir sur du bouclier. Du coup, à la fin de cet épisode, ce que je vais faire, ou à la fin du prochain épisode, selon si j'ai le temps, mais je ne pense pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me TP ensuite. J'utilise mon gemplum, d'accord. Direction. Merde, j'ai oublié de. Putain. J'utilise mon jump clone direction, alors pas gel mais pas loin, pour faire quoi, pour récupérer des skills justement, pour acheter des skills, parce que je vais pas les acheter dans le coin, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on augmente encore bien notre... Parce que si on pèse de trop, on va pas pouvoir quoi. Bon, ça va. Partir sur la résistance, on va arrêter le truc qui va super vite là. Et vous savez quoi, je vais déloc les ennemis parce que c'est même pas utile. Les drones ils font taf, terminer. On s'en fout de toute façon. Nous le but c'est juste de rester en vie, le reste après les drones ils se démerdent. Là, on se dépêche. Voilà, terminé. C'est pas mal. On est relativement efficace. Ah merde, je suis pas à portée. Boah. Allez, amène-toi là, à portée, mec. Hop, on est reparti. Alors, combien ça coûte les bonhommes là? 150 000. Ouais, ça fait plaisir. Je sais pas lequel j'ai ciblé. C'est celui-là, 150 000. Est-ce que toi tu veux plus? 250 000. Ah ouais, tu veux plus.
Mais as-tu sur place? Je suis vraiment très con, moi. Faut bouger, Asso, faut bouger. Et assez vite. Alors, on va partir par là-bas. Parce que c'est là-bas que ça se passe. Voilà, absolument, regarde. Alors bon, goûter, non, ça sert pas à grand chose, mais par contre, t'approcher, ça c'est un truc qui serait assez judicieux. Ensuite, on partira par là-bas, très bien. Donc, ouais, donc là, on est bien, on fait des allers-retours, on fait notre truc, c'est assez intéressant. On va mettre un petit coup de boost, histoire de. Ça évitera aussi de se prendre quelques tirs, puisque là, le capaciteur est rechargé relativement bien. Notre shield, lui aussi, va commencer à se recharger petit à petit, et c'est très très bien. Le tanking du truc, franchement, c'est assez impressionnant quand même. Alors certes c'est pas des ennemis de fou non plus, mais franchement je trouve que ça tank plutôt pas mal. Et nos drones qui font un sacré taf. Je suis vraiment très fan. Ok, on va arrêter le speed. Pour le capaciteur, la résistance suffira pour le reste je pense. Puisqu'il est tout seul déjà de base. Donc c'est très bien. Ok, et on va s'approcher du suivant. Et bim, et on passe à la suite. Et les drones. Direct qui... c'est bon, j'engage, on est parti. Oh, oh, oh. Petit coup de boost. Hop. Peut-être esquiver un ou deux trucs. Oh, je suis pas avec eux. Il rate pas beaucoup de coups, hein. Ça y a pas à dire. C'est très rare qu'il rate des coups, les gars. C'est très impressionnant. Ouh, je vais venir de face, ça va me faire très mal ça. Ouais, c'est un détail. Oh oh oh, cargo container, loot hall, voilà. Eh oui toi. Bien sûr que oui toi. 358 000 dans le cargo, c'est pas ouf, mais c'est pas rien. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein. on prend ce qu'il y a à prendre les amis, hein, clairement. De toute façon on a rien d'autre à foutre, on a pas besoin de se faire chier au combat, on a pas besoin de. C'est très malin. Franchement c'est un fitting, voilà. Je vais y arriver. Hein. C'est un fitting qui, je trouve, est extrêmement malin. Parce qu'on a tout, voilà. On peut défoncer les caisses derrière, on peut looter les trucs. Et pendant ce temps, les drones, ils font le taf. Et on tank comme des sacs. Donc au final, ouais, c'est vraiment le meilleur build qui est possible de faire dans le coin, quoi. Clairement. On peut optimiser le truc en... Merde. Je pense qu'on peut encore un petit peu optimiser le truc en mettant... de la résistance, mais ça c'est bien l'esquive, quoi. Que je n'ai pas encore, mais que je me suis empressé de faire à côté, et que qui vont tomber bientôt là, donc c'est très très bien. Alors ouais, on va voir Stack Hall. 780 000, ouais c'est bien. Non, j'ai fait de la merde. J'ai désactivé les tourelles comme un gros con. Yes, ça passe toi.
Bien. Sinon ça roule quoi. 726 de dégâts. Non mais c'est flippant mon gars ce qu'on leur met. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand je pense qu'on viendra encore plus fat la prochaine fois, c'est ça qui est génial. On viendra encore plus costaud quoi. Putain. Ouais parce que là je vais directement directement acheter les skills tout à l'heure. Scrap pétard. Je vais aller acheter les skills directement et je vais monter ça direct quoi. Niveau 3 ou 4 peut-être et parfait. Parfait. La prochaine fois que je reviens, on va se refaire une session. Et à mon avis, là, on va pouvoir rester des heures et des heures sans aucun problème. Même si là, déjà, on peut rester des heures. C'est très bien. Ah, il va falloir que tu l'aies, J'ai pas la portée. Damn it. Nah, bravo. Ah, si je l'ai. Yes. Ok, là je vais vraiment tout désactiver parce que là le capaciteur il prend une grosse claque quand même. Je vais laisser recharger un bon coup parce que là au niveau de la vie on est plus que. Hop. On recible le tout et on est reparti. Il en reste un petit dernier. Ah, oh, c'est mes drones qui sont en train de prendre. Enfin, ils sont en train de prendre, je m'entends. Ils sentent juste que dalle. Et le machin il tourne tellement vite que vas-y pour le choper. Bye bye. Ah, elle a plu, tiens. On a fait le ménage. Très bien. Très bien, bah c'est plutôt cool ça. C'est parfait. Du coup, alors il y a ça encore. Return to Drone Bay. Ouais, on va se récupérer les derniers petits coffres qui restent rapidement, ça va être vite fait. Hop. Et alors, attends, voir comment c'est placé ça. Ouais, vous savez quoi, j'ai même pas envie de me faire chier. Je vais récupérer les coffres qui sont pleins en fait. Et on va s'arrêter là. Voilà, je propose ça. Mes drones, ils sont bien dans le bordel, c'est parfait. On est à quoi, 28 minutes à peu près, ou 26 minutes d'épisode. Très bien, est-ce que je suis vraiment dans le jus moi? Est-ce que ça sent le poney ou pas? Ou est-ce que j'ai le temps d'en faire encore un petit mois d'épisode? Ou pas du tout? Ouais, il est 19h déjà pour ma part. Ça craint un peu quoi. Ça craint un petit peu. Ouais, parce que demain, deux boutons, moi je vais à la plage hein, les amis, qu'est-ce qui se passe? Tranquille toi. Oh putain, pour un scrap métal, je suis dégoûté. Non. Allez, on se dépêche, t'as intérêt à l'avoir du premier coup. Parfait. Bon, il reste 4 coffres. Tu vois ce que je veux dire. Ah, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je vais peut-être aller récupérer mon vaisseau d'explo vite fait. Peut-être retenter une petite explo rapido. Un petit truc cool, vite fait, bien fait. Ça serait pas mal. Et voyons voir. Warp drive active. Ok. Warp drive active. Ouais, alors, comment ça fait de thunes dans cette histoire là? Est-ce qu'on peut loader déjà nos petits trucs? Market transaction 8700. What the freak? Bought stuff from Asomnia. Ah bon?
Ah, il a acheté ma merde. Oh, trop stylé, mec. Oh, t'es vraiment sympa. Ah oui, d'ailleurs, la prochaine fois que je retourne sur GL, il va falloir que je remette en vente des vaisseaux. Il va falloir que je prod également des vaisseaux, parce qu'il y a plein de trucs qui sont restés sur GL, là où je peux peut-être me faire de l'argent. Donc ouais, on va faire de la vente en masse. J'ai plein de caillasses, moi, qui traînent des trucs de fou, mon vieux. Donc on va se débarrasser de tout ça, quoi. Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. Parfait. Alors, dans le journal, est-ce qu'on peut peut-être... C'est quoi ça? Ah oui, c'est les shares que j'avais dans mon autre alliance. Bounty prices, 4,6 millions. Ouais, c'est pas mal. Et on a fait ça en 25... En, combien 20, ouais, peut-être 30 minutes. Un peu moins. C'est pas trop mal, je trouve. C'est toujours ça de gagner. Nigwell. Hop. On va prendre tout ça. On va mettre tout ça dans le hangar. Bider tout le bordel, là. Stack all. Super nice. Et les amis, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici. Je vais changer de vaisseau, je vais prendre mon anathema. On va aller faire un petit tour, on va refaire un petit peu d'explo. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous retrouve très rapidement, demain 18h d'ailleurs, soyez à l'heure. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, un petit truc, un petit mot à me dire, ben voilà, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Un petit j'aime également, ça fait plaisir. Si vous voulez vous abonner, encore plus plaisir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.